Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous savez laquelle, c'est le journal créatif de la semaine. Alors je ne sais plus à quel numéro on est, ça doit être le 25e ou 26e journal, je ne sais plus. Donc voilà, alors le journal créatif, pour les nouveaux et nouvelles qui passeraient par ici, qui se demanderaient ce que c'est. C'est une récap de toute ma semaine, voilà, de tout ce que j'ai pu faire, principalement en broderie, en tricot, en crochet et quelquefois dans d'autres loisirs créatifs également. Et le diamond painting. Alors, cette semaine, j'avais prévu dans mon petit carnet. Alors, je me suis rajoutée dans mon carnet. Alors, ça, je ne l'ai pas fait cette semaine. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Je me suis rajoutée un petit marque-page. Voilà, là. Comme ça. Alors, je ne sais plus où je l'avais eu, celui-là. Que j'avais fait, mais il y a déjà un petit moment, l'année dernière, je crois. Et parce que dans mon carnet, ce qui manque, c'est ça. Un petit marque-page. Alors, je me suis rajoutée ça. Mais il est joli, hein. Avec son petit pompon, regardez, alors attendez, le pompon, on va le mettre comme ça, avec un papillon, des perles, voilà. Mais je ne sais plus où je l'avais eu. Bon, c'est pas grave. Alors, j'avais prévu de faire plein de choses, comme d'habitude. Le DP, déjà, le diamond painting. Si je veux un DIY DP, si j'avais le temps. Mes tricots, bien sûr. Donc, les tricots, c'est mon pull fil d'art, le pull camionneur et le pull débardeur de chouchou. Au crochet, ben, mes deux couvertures météo, celle de l'année dernière et celle de cette année. Et si j'avais encore du temps, peut-être faire le petit lapinou au crochet, le petit lapin ballerine, voilà, que j'avais eu chez Action. En broderie, j'avais prévu d'avance. Alors, j'essayais de faire au moins 250 croix sur chaque broderie. Il y a des broderies où je ne peux pas compter les croix, mais bon, c'est pas très grave. Et je sais pas, il est en train de se manger les pattes. Alors, je voulais avancer le Bouddha. Je voulais avancer mes hérons bleus de chez Lanart. Ma maison météo que je brode. Tous les mois aussi, hein, mais là maintenant, on est... alors moi j'ai toujours pas fini la structure, mais maintenant on commence à broder aussi les couleurs de la météo. Mon sal du nouvel an, donc moi c'est un Riolis. Le sal mystère de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Ma broderie jus de carotte de Lily Point. Le All Forest, j'ai toujours le nom, je ne l'ai toujours pas en tête. C'est Punky, Automne, mais encore un autre truc, je crois. Que Julia, c'est un sale qu'elle organise. Ma grenouille de Sabine, de Poussière d'Étoiles. Et mon petit hérisson Saint-Valentin. Que je vous ai montré la semaine dernière. Et s'il me restait un peu de temps, mon dragon. Voilà, dragon, le Dragon White Book. Je crois que j'ai tout dit. Oui, ça fait du boulot tout ça. Hein. Alors, on va commencer. Alors, la semaine dernière, j'ai vu que j'avais... Bon, comme vous avez pu voir dans la vidéo... J'avais oublié de vous montrer le diamond painting tout de suite, en début de vidéo, comme je fais toujours.
Mais en fin de compte, j'ai pas eu beaucoup de numéros de cases. Pas beaucoup d'entre vous m'ont donné les numéros des cases. Donc, on recommence, on refait le DP au début de la vidéo. Et j'ai remarqué, parce que nous, on voit sur dans les coulisses de YouTube, de notre YouTube, on voit le temps que les gens passent sur une vidéo, etc. etc. Alors, la moyenne, alors souvent, moi, c'est des vidéos de une heure et demie, hein, des fois plus, pour les journaux créatifs. Mais en moyenne, les gens passent entre 20, 20, 22, 30, on va dire 25 minutes sur la vidéo. Alors, je fais des longues vidéos, mais il faut les regarder jusqu'au bout, c'est bien. Même en deux fois, pourquoi pas. Si vous trouvez que c'est trop long, vous regardez en deux fois ou en trois fois la vidéo. Vous repérez quand est-ce que vous vous arrêtez aux minutes. Et puis la fois d'après, vous reprenez là où vous êtes. De toute façon, souvent, quand on reprend une vidéo le lendemain, la vidéo recommence, mais là où vous étiez arrêté. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder en une seule fois. Voilà, je referme les parenthèses. Et c'est vrai que je vous ferai une petite récap, là, peut-être dans la semaine, je verrai, pour vous expliquer un peu le fonctionnement des vidéos YouTube, enfin de mes vidéos YouTube, et vous montrer le temps que les gens passent sur les vidéos, le nombre de vues. Et des fois, c'est pas énorme, énorme du tout, du tout, du tout. C'est dommage. Là, je l'ai. Ah, attendez, est-ce que je l'ai là? Ça vient. Oula, j'ai presque plus de batterie sur celui-là. Non, c'est pas là, c'est là. J'espère qu'il va pas s'éteindre. C'est la tablette. Alors, vous voyez, par exemple, hier, j'ai mis une vidéo sur les aimants que Chouchou avait fait en diamond painting. Bon, j'ai 28 pouces. Les nombres de vues, il est où? Voilà. J'ai eu 180 vues. Alors, ma vidéo fait 1h30, je crois. Alors, la durée moyenne de visionnage de cette vidéo, 3 minutes 25. 3 minutes 25 pour une vidéo qui dure 40 minutes. Qui dure 40 minutes. Alors, il y a des gens qui regardent, mais 3 minutes. Donc, c'est pour ça que je comprends pourquoi des fois, il n'y a pas de commentaires. Celle-là, c'est pareil. Alors, par contre, la revue anglaise, j'ai eu 424 vues, mais avec une durée moyenne de visionnage de 8 minutes 21. Alors qu'elle fait, elle est là, alors qu'il y a eu 64 pouces et seulement 8 commentaires, mais il y avait 424 vues. Donc voilà, c'est dommage, hein, parce que on va prendre le journal créatif. Ah, c'est bien ce que je disais, journal créatif. Alors, j'ai 931 vues. Durée moyenne de visionnage, 30 minutes. 30,31.
alors que ma vidéo faisait 1h37. Il y a eu 930 vues, 118 pouces, et alors pas 66 commentaires, parce que là il y a les commentaires à moi, donc il y en a la moitié. Il y a une trentaine de commentaires. Voilà. Mais là, les gens l'ont regardé en moyenne 30 minutes pour presque 1h40 de vidéo. Donc voilà. Bon, tant pis si ma tablette s'arrête. Voilà. Bon, c'était une petite aparté que je voulais faire. Mais c'est pour expliquer que les vidéos, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à préparer, à filmer, à monter, comme la vidéo d'aujourd'hui. Bon, elle va me prendre quoi, une heure et demie à filmer. Mais demain, ça va me prendre toute la matinée pour faire le montage. Voilà. C'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de retours, c'est un peu désespérant par moment. Voilà. Bon, allez, je referme les parenthèses. On va donc commencer par le DP qui est là derrière moi. Alors, vous aviez choisi les cases 14 et 16. Et c'est ce que je disais, oui, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Même pas 20 votes. Non, pas 20 votes. Vous deviez choisir deux cases, donc il y a eu à peine 10 votes. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait mes cases. Là, voici. Voilà où j'en suis. Alors, vous aviez voté pour la 14 et la 16. Donc, elles étaient toutes les deux l'une à côté de l'autre. Donc, on voit le début de son bras, de sa main. Et ici, son épaule. Voilà, toujours aussi brillant. Alors, il ne reste pas grand-chose, hein, vous voyez. Il reste 2, 4, 6, 8 cases. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu. Moi, j'essaierai de faire 3 cases. Voilà, comme ça, il restera 3 et 3, 6. Il en restera 2. Comme ça, on finira un petit peu plus vite. Là, j'attends un DP. Je vous en parle pas plus. Mais j'attends un DP que j'ai demandé dans un partenariat. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais voilà. Ah non, vous attendez. Non. Attendez que maman ait fini de montrer le DP. Donc, voilà. Je vous mets la photo comme d'habitude. Et les chiffres restants pour lesquels vous pouvez voter, donc c'est-à-dire le 1, le 3, le 5, le 6, le 8, le 10, le 12 et le 13. Voilà, vous pouvez jouer au tiercé, vous pouvez jouer au loto. Pourquoi donc voilà, la semaine prochaine, j'essaierai de faire 3 cases. Et... comme ça, on avancera un petit peu plus vite, parce que sinon, il y en aura encore pour un mois. Et ça me fait beaucoup, je trouve, un mois. Voilà. On se fait déjà une petite pause, parce que vous aurez compris qu'il y a deux poilus qui veulent aller faire leur pays. Mais bon, ça... Moi, je vais les faire sortir. Mais c'est dans la cour, hein. Je les fais sortir. Mais nous, on se retrouve tout de suite. Vous voyez, ça a été vite, hein. Mais eux aussi, ils ont été vite. Ils ont aboyé. Il y a un chat qui se promène à côté. Et ils aboient après le chat. Et quand ils font ça, ben, hop, on rentre. Je ne veux pas
qu'il dérange les voisins. Surtout que la voisine a un petit bébé qui vient de naître. Donc, voilà. Du coup, là, maintenant, dodo. Je pense qu'on va être tranquille. Alors, on a fait pour le Diamond Painting. Comme vous avez vu, il avance bien, il est beau. Voilà. Par contre, le DIY, j'en ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Alors, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai fait cette semaine que j'ai manqué de temps? Je sais plus. À part aller faire les courses, j'ai fait une fois les courses. J'étais faire un petit plein parce que j'avais peur que avec les blocages, tout ça. Donc j'avais fait un petit plein. Et qu'est-ce que j'ai fait autre chose. Je sais plus. Bon, ça y est, c'est pas grave. Alors maintenant, la broderie. Alors on va commencer par la plus encombrante. Vous aurez deviné laquelle. Hop. Comme ça, il y aura des fils un peu partout. Voilà. Alors, je suis pas en retard. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de terminer ma fenêtre, mais demain, alors dimanche, à l'heure que vous regardez, ma fenêtre sera finie. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas du retard. Voilà où j'en suis. Donc, quatrième semaine. Voilà, le temps s'est un petit peu radouci, voyez. J'ai avancé, alors j'ai pas fait de fenêtre cette fois-ci, mais j'ai avancé mon toit, voilà, la gouttière là. J'ai avancé au niveau de la gouttière. Si j'ai fait une fenêtre, attendez. Si j'ai fait une fenêtre, oui, là. Oui, oui, je sais même plus ce que je fais. Voilà. Donc là, tout à l'heure, là on est samedi, mais demain, dimanche, je terminerai les trois vitres qui sont là. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc j'ai pas de retard. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un modèle que moi j'ai dessiné. L'année dernière, pendant plusieurs mois, alors moi je suis très en retard par contre sur ma structure, hein, ça vous l'auriez vu. Les filles ont brodé toute la structure de la maison et depuis le 1er janvier, donc on remplit nos petites vitres ici, en sachant qu'une fenêtre c'est une semaine avec 7 jours bien sûr, puisqu'il y a 7 vitres et chaque vitre correspond un jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà. Ce qui est bien cette année, c'est que l'année a commencé à lundi, donc là les semaines vont vraiment être des semaines complètes et du lundi au dimanche, donc ça c'est bien, voilà. Là, je commence déjà à réfléchir un petit peu pour l'année prochaine, pour en redessiner un. Ce ne sera plus sur le même thème. Là, je cherche le thème que je vais prendre. Voilà, vous le saurez au moment venu. J'espère pouvoir vous le montrer d'ici l'été ou un petit peu avant l'été si j'ai terminé de le dessiner. On en reparlera. Alors, sinon, j'ai avancé. Alors là, elle avance un peu moins vite, mais je vous l'ai dit, ça allait avancer un peu moins vite puisque maintenant j'étais dans le feuillage. Donc le feuillage de ma carotte, enfin de mes carottes.
Voilà, donc là, j'ai fait cette partie-là. Ici. Alors ça m'a déjà pris un bon bout de temps. Hein. Et ça, je m'en doutais que le feuillage, ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc, il y a eu ça hein, de fait aussi, pas cette fois-ci, mais les fois d'avant. Voilà, ici. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est une partie qui... C'est la partie qui prend le plus de temps. Parce qu'il y a du changement de couleur. Et les couleurs sont presque imbriquées l'une dans l'autre, si on veut. Donc, c'est un peu plus compliqué. J'ai voulu agrandir avec mon imprimante. Il n'y a pas eu moyen. Si, ça agrandissait, mais ça ne m'agrandissait jamais la partie que je voulais. J'ai abandonné, je dis, je ne vais pas user de l'encre comme ça tout le temps. Donc, je l'ai remis sur mon ordinateur, j'ai agrandi sur l'ordinateur et ça va tout aussi bien puisque de toute façon, je brode à mon bureau. Donc, l'ordinateur est avec moi et ça va aussi bien. Je voudrais bien avancer un peu plus vite quand même sur ce feuillage parce que là maintenant, les carottes me sortent du nez. non, j'adore hein, cette broderie. Mais c'est vrai que je serai contente quand elle sera terminée. Voilà, je serai vraiment contente une fois qu'elles seront finies. Mais je l'aime vraiment beaucoup. J'adore le rendu des carottes. On dirait des vraies carottes. Bon, il est vraiment très top. Voilà, je vais y arriver. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous aiment cette broderie, aiment les lily points. Donc voilà. Et puis j'ai hâte aussi de la terminer pour pouvoir par la suite commencer à une autre lily point. Voilà. Donc voilà, ça avance. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai avancé quand même un peu plus. Voilà. Parce qu'il n'y a vraiment plus que ça à faire. Donc, donc mes petites carottes, voilà. Je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Alors, ensuite, ça c'est quoi? Ben, c'est bon, c'est celle-là que je voulais. J'ai terminé, pas une broderie, hein, une étape. J'ai terminé l'étape numéro 3 du Salle Mystère de Sabine. Voilà. Donc, l'étape numéro 3, c'était ça, ici. Donc, elle est terminée. La 1, la 2, la 3. Voilà. Donc, là, maintenant, bon, là, par contre, vous savez, hein, j'ai du retard. On en est où? Ils en sont à l'étape 7 déjà. Donc moi, je dois rattraper 1, 2, 3, 4. Je dois rattraper 4 objectifs. Bon, sur les 4, il y en a 3 qui vont aller très vite à faire. En une séance, chaque étape sera faite. Et la plus longue, ça va être la 4, voilà. Parce que la 4, elle a 2487 points. La 5, on n'a que 250. La 6, 218. La 7, 311.
Et là, ils vont commencer la 8, ici, le 1er février. Il y en a 210. Voilà. Donc, je pense que je vais pouvoir, une fois que j'aurai fait l'étape 4, je vais pouvoir rattraper rapidement mon retard. Voilà, bon, je serai quand même toujours en retard, ça c'est sûr. Mais voilà, bon, puis de toute façon, hein, un point après l'autre, c'est pas une course. Voilà, oh là là, quand je regarde les dos de ma broderie, c'est une horreur. À moi, les dos, moi je tire mes fils. Hein. Oh ouais, je tire. Donc je vous l'ai déjà dit, à moi le dos de la broderie je m'en fiche malheureusement royalement. Alors j'ai par contre mon estampée que vous verrez après, elle est nickel, elle a un beau dos tout. Mais alors ici, n'ayez pas peur hein. T'as pas honte Edith? Non. Je m'en fous mais alors complètement. Le principal, c'est que le devant est beau, bien fait, régulier, net, point. Et mais alors le dos, je m'en contrefiche, mais alors à un point. Voilà. Donc, bon, je sais toujours. Mais moi, je pense à un lapin. Chat ou lapin? Je sais pas, je me trompe peut-être. Hein. Mais on verra bien. Alors, celui-là, alors, je mets sur le côté également, ça fait perdre moins de temps. Celui-ci, alors il est où? Je crois que c'est celui-là. Non. Non. Ça vient, je ne sais pas. Non plus. Bah alors, je l'ai mis où? Ah, voilà. Alors, j'ai avancé, j'ai bien avancé, je trouve. Alors, c'est mon Bouddha. Vous vous rappelez que le Bouddha, oh, j'ai cherché partout après. On enfile l'aiguille. Vous vous rappelez que mon Bouddha, je m'étais trompée sur une couleur. Voilà. Au lieu de mettre un genre de blanc bleuté, j'ai plus les références en tête. Voilà, tout y a bougé. J'avais mis un bleu. Un bleu. Je m'en suis aperçue. Heureusement, je n'avais pas tout fait. Parce que bon, cette couleur-là, il en faut quand même pas mal un peu partout. Heureusement, je m'en suis quand même aperçue. Mais j'avais quand même déjà fait... Alors, j'ai compté. J'ai démonté un peu plus de 150 points. Voilà. J'ai dû démonter un peu plus de 150 points. Donc, j'avais quand même déjà fait un beau petit morceau. Hein. Mais en plus, moi, c'est de l'étamine 12.6 fil, donc c'est une étamine fine, voilà, bon, il est encore plus fin, donc pour retirer, il fallait faire attention, et du coup, j'ai rebrodé, j'ai pas rebrodé cette partie-là tout de suite, j'ai dit, je vais laisser la toile de ce côté-là se reposer un peu, parce qu'elle avait quand même pris un petit peu cher, parce que bon, automatiquement la trame s'élargit un petit peu hein. Donc là j'ai dit je vais pas refaire ce côté là tout de suite, là déjà c'est plus resserré, ça on voit presque plus rien. J'ai fait de l'autre côté et j'ai bien avancé en tout, alors j'ai démonté 150 croix et j'en ai refait 438. Voilà, donc j'aurais pu en faire plus si j'avais pas eu besoin de démonter, mais bon. Donc voilà mon Bouddha qui avance.
Donc ça, le Bouddha, c'est une broderie de Sabine, de la boutique Poussière d'Étoiles, et c'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver dans sa boutique. Donc moi, comme d'habitude, de toute façon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Il y a 5 ou 6 modèles gratuits que vous pouvez directement télécharger sur sa boutique. Vous faites comme si vous passez une commande, mais vous n'aurez rien à payer, bien sûr. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Fin de compte, pendant un moment, j'ai dit, mince, j'ai pris une toile bleue, mais non, ça va, ça redonne bien. Il est très sympa. Alors, c'était ici, hein, que j'ai démonté, voilà, toute cette partie-là. Ici. Donc là, je vous dis à peu près un peu plus de 150 points que j'ai démonté. Et oui, alors je ne sais pas si vous allez bien voir la trame de la toile, mais là, bon, ça va, on ne voit plus rien. Donc j'aime beaucoup le faire. Alors, il est un petit peu confetti, mais bon, ça va, vous voyez ce qu'on voit là. Vous voyez? Mais ça va. Ce qui fait que, hein, derrière, bah, je tire mes fils. Hein. Là, je m'embête encore moins, puisque des fois, c'est un point ici, un point là, un point là. Alors, je ne vais pas faire un nœud, enfin, stopper mon fil à chaque fois. Ça, je vous dirais, ces genres de broderies-là, moi, je les fais avec les fils que j'ai dans les boutiques en partenariat, donc les boutiques chinoises. Donc voilà, ce serait du DMC. Là, ok. Je ferai l'effort d'arrêter mon point derrière. Mais là, non, je m'embête pas. Donc voilà, petit Bouddha avance. J'ai hâte qu'il enfin, j'ai hâte qu'il se termine, oui. Mais bon, il ne va pas se finir tout de suite, tout de suite. Mais j'ai hâte qu'il se termine quand même. Et quand il sera fini, alors je verrai. Je le mettrai peut-être au mur près de ma broderie Mandala France. Donc c'est tout un message zen et tout. Donc je mettrai peut-être dans ce coin-là. Là, mon mandala, donc c'était une broderie d'Isabelle Vautier. Elle est dans ma pièce par là avec mes plantes et mes oiseaux. Enfin, mes plantes, elles ont pris cher avec les travaux, je pense. Et là, en ce moment, j'ai déjà, depuis qu'il y a eu les travaux, et pendant les travaux, j'ai déjà dû en jeter 4 ou 5. Elles étaient complètement mortes. Et là, j'en ai une qui fait encore la gueule. Non, pas ces 4 ou 5. Ouais, 6, 7, je crois. J'ai dû en jeter. Et là, j'en ai donc jeté 2. Aujourd'hui, une hier. Alors, orchidée, pareil. Toutes les feuilles vertes, mais sont toutes tombées. J'avais aussi. Alors là, j'ai un peu les boules. Comment on appelle ça? Ah! Je cherche mes mots de plus en plus. Ah bah mince. J'essaierai de rechercher et puis je vous aurais sûrement mis la photo et le nom. Du coup, j'en ai plus du tout. J'avais une goutte de sang. Magnifique, elle était comme ça, je vous jure, elle était énorme. J'avais même fait une bouture pour un voisin, bah, plus de goutte de sang, morte. Je suis dégoûtée. Du coup, je pouvais même plus faire de bouture ni rien parce que j'en ai plus. Ça y est, la plante, c'est une misère. Voilà, le nom scientifique, je ne me rappelle plus, mais c'est une misère. Ça, pourtant, c'est pareil, hein. C'est une plante qui résiste à tout.
est morte. J'ai une... Oh, comment est-ce? Ah, ça devient grave. Une plante araignée. Son nom, c'est... Bon, je vous remettrai le nom scientifique également. Elle fait de plus en plus la gueule. Là, je l'ai nettoyée, je l'ai arrosée, tout, mais là, elle fait la gueule. Bon, heureusement, j'ai d'autres plantes qui tiennent le choc pour l'instant. Mais bon, j'ai perdu beaucoup, beaucoup. Enfin, ouais, j'ai perdu beaucoup de plantes. Alors des fois, Chouchou me dit, ouais, youpi, une de moins. Il trouve que j'ai trop de plantes. Enfin, j'en ai beaucoup moins, beaucoup, 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 beaucoup moins que ce que j'avais avant. Hein. Avant, j'en avais quoi? 50, 60, même peut-être plus. Donc, mais là, maintenant, non, j'en ai, il m'en reste quoi? Une vingtaine, ouais, il m'en reste une vingtaine peut-être. Mais bon, allez, on n'est pas là pour parler plantes. et puis des fois, j'ai demandé, si, mais des fois, j'ai mis des messages sur mon Facebook, si vous avez des boutures et tout, mais pff, les gens maintenant ne vous répondent plus. Hein, non, donc, même si, même pour avoir une bouture, maintenant, c'est compliqué. Donc, voilà. Là, je viens de vous montrer le Bouddha. Alors, maintenant, alors, ça, c'est quoi ça? Oui. Alors, ça, c'est le Hall Forest, c'est la salle de Julia. Donc, bah, j'ai fait mes 1000 points du mois, donc je suis à jour. J'ai rattrapé, alors je vous explique, enfin je vous réexplique et je vous explique. Vous vous rappelez que la fois dernière, j'ai trouvé que j'avais fait une erreur. Bon, de toute façon, c'est ma marque de fabrique. Hein, une broderie sans erreur, chez moi, il n'y a pas. C'est ma petite touche personnelle. C'est ma signature. Et donc, j'avais vu qu'il y avait une erreur. Et, enfin, en tout, il y avait deux erreurs. Une erreur que j'ai corrigée. Donc, je m'en étais aperçue en faisant la feuille ici. Donc, je l'avais démontée complètement. Là, je l'ai embrodée cette semaine. J'ai brodé le hibou ici à côté. Voilà. Petit hibou, et j'ai commencé le feuillage. Il y a un grand feuillage qui vient là, donc j'ai commencé le feuillage. Sauf que il y a donc une deuxième erreur, c'est que cette partie là, je pense que c'est cette partie là, elle est brodée. Il manque un rang là, pas de croix, mais. Il y a un décalage d'une ligne. Ce qui fait que cette feuille-là, normalement, il y a un point, là. Il y a une petite croix qui part sur le côté ou par là, je ne sais plus. Du coup, j'ai dit, la crotte, je ne redémonte pas. J'ai enlevé la croix. De toute façon, ça ne fait pas grande différence. Et comme ça, bah, je vais normalement... me dépatouiller pour que l'erreur ne se voit pas. Bon, là, de toute façon, on ne la voit pas. Si on ne connaît pas le dessin, on ne peut pas voir qu'il y a une erreur. Voilà. Bon, si vraiment je vois que ça gêne pour quelque chose, dans ce cas-là, je redémonterai la feuille. J'essaierai de la remettre mieux pour que tout aille bien. Mais bon, je pense que là, ça ira... Donc là, cette semaine, j'ai brodé la feuille.
j'ai brodé le hibou et j'ai brodé cette partie là voilà. Donc j'ai rattrapé les, j'ai terminé les 1000 points qu'il fallait faire pour le mois, et ce qui fait que là cette fois-ci, ah oui, j'ai quand même bien fait, j'ai fait 562 croix sur une séance, ce qui fait que je suis arrivée à 5000 croix en tout, et 39,29%. Voilà. Mon Bouddha, je ne vous avais pas dit, je suis à 11,42%. Et ah ben, le sale mystère, je ne l'ai pas marqué. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais là, c'est vrai. Tu sais, j'avais pas... Ouais, j'avais fait 562 croix quand même. Hein. Voilà. Donc, mais quand on regarde comme ça, on ne dirait pas. Voilà. Alors, le hibou, là, j'en avais marre de le faire. J'en avais marre. Mais bon, ça va. J'étais là, j'ai pourvu qu'il tombe bien, pourvu qu'il tombe bien, pourvu qu'il tombe bien. Parce que j'avais pas envie de le démonter et de le refaire. Mais du coup, je bidouille et puis il n'y a que moi qui le saura. Hein. Et puis vous. Pardon, ça y est, ben vous avez l'habitude. Petit coup de fatigue. Alors, ensuite, ma grenouille. J'ai avancé ma grenouille. Alors là, j'ai pas fait. J'ai fait quoi? 251 croix. J'ai dit que j'en faisais 250, hein, donc excusez-moi. Donc je suis bon. Alors ça c'est quoi? Ah, attendez, je vais mettre ma loupe, je vais regarder parce que là j'ai un petit truc bizarre sur ma broderie, ma louloupe. Ah, j'ai un point qui a sauté. Mince. J'ai un point qui a sauté. Ah, zut. Donc, je refais une croix dessus. Pas pourquoi, mais alors voilà ma grenouille. Je vous dis, j'ai fait 251 croix aujourd'hui. Donc ici, voilà, ici et ici. Alors il y avait déjà une couleur là, mais il y a deux couleurs de refaite. Alors là, c'est pareil. Je vous l'ai dit, hein, dans chaque broderie, de toute façon, il y a un défaut. Hein. C'est ma marque de fabrique. Là, je suis en train de bidouiller, donc ici, pour pas qu'on voit, mais il y a une erreur ici, là, ici quelque part, ce qui m'a fait qu'il manque une croix. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave. De toute façon, elle n'est pas bancale. Hein. Bon, là, du coup, c'est sa patte hein, que je suis en train de faire. Mais non, elle est belle. Elle est belle, ma grenouille. Donc là, c'est avec l'aimant, vous voyez. Elle est tip-top. Alors, par contre, tout à l'heure, je dis, je vais la remettre sur un tambour plus grand parce que je me suis aperçue que j'ai tous mes tambours, les grands, sont pris.
Donc, je pense que va falloir qu'un prochain partenariat, je reprenne les grands. Enfin, ils vendent pas les grands tout seuls, c'est ça qui est dommage, même dans les partenariats. Ce qui fait que j'ai toujours par lot de 5, mais j'ai les petits, et bon, les petits-petits, j'en utilise pas tout le temps. Hein. Donc, mais bon. Oh, excusez-moi. Sinon, je reprends un Quisnap. Hein. Bon, je suis tranquille. Quisnap, c'est top. Alors, pour la grenouille, donc j'ai fait 251 croix, ce qui fait que j'ai en tout, j'en ai déjà fait 3454 et je suis à 36,78%. Voilà. Oh, on va se coucher. Non, il est quoi? 45 minutes, hein? Ensuite, alors j'ai l'impression qu'il m'en manque une. Non, elle est là. Je croyais qu'elle n'était pas là. Alors. Mes petits hérons, petits patapons, mes petits hérons de chez Lana. J'adore la broder. J'adore la broder. Alors pourtant c'est sur une Aïda, mais super agréable à faire. Et j'aurais pensé qu'elle aurait été plus... comment je vais dire? Plus prise de tête. Voilà, puisque quand même les couleurs, c'est tous les tons bleus, donc il y a quand même normalement beaucoup de changements. Mais non, ça va. Donc, vraiment top, top, top. Pas aucun d'erreur. On va toucher du singe, on va croiser les doigts. Je n'ai pas encore fait d'erreur. Ou sauf si je vois qu'une croix, par exemple, mais je l'enlève tout de suite. L'erreur ne reste pas. Quand je dis qu'il n'y a pas d'erreur, moi, une erreur, c'est quand elle reste sur la toile. Voilà. Et puis qu'après, ça me chamboule tout. Là, non. Ça va. Alors, il y a des changements de couleur. Il y a des blends. Donc, les blends, bon, vous savez que... Oh! J'en ai marre. Vous savez que les blends, moi j'aime pas parler les mots anglais, on est en France, on parle en France. Donc c'est les couleurs mélangées. Il y a plusieurs couleurs mélangées. Donc plus ou moins fondues ou pas. D'ailleurs, je sais, on peut en voir. Alors là, on voit bien, c'est ici dans les marrons, vous voyez. Là, il y a des couleurs mélangées. Voilà, donc les couleurs mélangées, pour ceux qui ne connaissent pas, ou les blends, parce que des fois sur les gris, c'est marqué blend, c'est vous prenez le fil A et un fil B. Voilà, et vous allez les mettre tous les deux ensemble, et vous allez broder avec les deux fils en même temps. Voilà. Quand vous brodez, de toute façon, vous brodez avec deux fils ou un fil plié en deux. Mais dans ce cas-là, avec un blend, non, vous êtes obligé de prendre deux fils d'une couleur, par exemple un bleu ciel et un bleu foncé, voilà. Et vous allez broder comme ça la partie qu'on vous dit de broder. Voilà. Donc un blend ou une couleur mélangée, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas encore demandé. Je vous avais dit, hein, il y avait un point arrière à faire en deux couleurs, mais avec un fil. Donc là, j'ai dit, c'est pas possible. Donc il doit y avoir une erreur sur les explications, mais ça, c'est pas très grave. Je vais demander. Quand je le saurai, je vous en parlerai. Donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup.
Là, il avance doucement, mais sûrement. Voilà. Donc là, je suis sur la... Oh là là, c'est bien catastrophique, ça. Je suis sur quelle page? Je ne sais même plus où j'ai mis mon papier. Ah, il est là. Est-ce que je le vois? Je sais pas si je le vois, là. Non. Alors, attendez. Parce que là, c'est ma photocopie. Ah, j'ai trouvé. Alors, comme il n'est pas dans mon pattern keeper, celui-là, je travaille sur papier. J'ai trouvé une technique. je voulais... Alors, par contre, il faut que je retrouve d'autres couleurs de feutre fluo. Les fluos, c'est un peu plus transparent. Hein. Parce que comme c'est des... Alors, je vais vous montrer sur un petit bout seulement, puisque là, ça ne portera pas à confusion, on ne va pas piquer la toile. Alors, hop, vous voyez, il y a quand même plusieurs changements de couleur. Donc, ce que je fais pour voir, par exemple, je vais mettre le fil, vous voyez, comme ici, où il y a les petits carrés. Je ne sais plus quelle couleur c'était. C'était dans les marrons, mais bon, soit. Ce que j'ai fait, je les ai stabilotés tout de suite avant de les broder. Comme ça, je les vois. Je les ai à ma vue. Et vous voyez, je change de couleur. Après, j'ai fait en violet. J'ai fait en jaune. Voilà. Comme ça, je vois tout de suite ce que je dois broder. Mais du coup, il faudrait que je me rachète. Parce que j'avais une trousse de fluo avec plein de fluo. Il faut que je regarde dans mes feutres si j'ai pas ça. Pour avoir plusieurs couleurs. Pour pas me mélanger non plus, parce que ce serait ballot. Mais j'ai trouvé cette technique comme ça, par hasard, dans ma petite tête, là, de souris, et en fin de compte ça marche très bien. Je me mélange beaucoup moins que de chercher, parce que, comme j'ai pas une bonne vue, voilà. Donc ça m'aide beaucoup de faire comme ça. Alors, je disais que moi j'étais sur la page, alors je crois que je suis sur la page 1, mais oui, je suis sur la page 1. Mais bon, les pages, ce sont des grandes pages hein, chez eux. Je suis où? Voilà, ça c'est la page 1. Voilà, je peux le mettre parce que on verra rien. Et donc, moi je suis ici. Voilà, je suis là. Mais c'est pas ça, ces feuilles là moi je les stabilote pas hein. Vous le savez, les originaux je garde tels quels, malgré que de toute façon après on ne pourra plus rien en faire, mais je sais pas, c'est peut-être moi hein, qui est bête de faire comme ça, mais j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà. Mes petits hérons avancent doucement mais sûrement. Alors par contre, cette semaine je vais prendre le temps de mettre sur d'autres plaquettes, parce que là il n'y a pas de nœuds de fée, ils sont juste enfilés dedans, et vous voyez, et puis ça chiffonne, les fils se chiffonnent. Donc je vais changer ça. Il y a combien de couleurs déjà? 34 couleurs plus les blends. Donc vous voyez, ça fait fouillis hein, à force de les utiliser. Donc je vais remettre ça soit sur des plaquettes en plastique avec lesquelles je peux faire des nœuds.
Soit je vais mettre avec des petits anneaux là, enfin je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Parce que là, les fils s'abîment et ça m'embête. Voilà. Bon. Donc mes héros, c'est fait. Alors, ensuite, alors ça je l'ai fait, ben, je l'ai fait aujourd'hui. Mais celui-là, c'est pareil, rappelez-vous. Alors, je vais reprendre l'image pour vous la montrer. Je vous avais dit que je m'étais trompée, que j'avais, pareil, une erreur. Mais là, je ne pouvais pas laisser l'erreur. C'était impossible. Voilà, c'est celui-là. C'est le sale du Nouvel An. Donc, moi, j'ai choisi un kit Riolis. Voilà, le chat avec le petit oiseau. Donc c'est Meeting at the Window, donc rencontre à la fenêtre, c'est un truc comme ça en français. Donc je suis ici sur la partie du milieu. Alors je pensais réussir à finir mon étape aujourd'hui, mais j'ai pas. Mais bon, il me reste 4 jours pour terminer mon étape, donc c'est large. J'y arriverai très bien. Et voilà où j'en suis. Donc, si vous vous rappelez, dans ce sens-là, j'avais le bon nombre de croix, mais dans la hauteur, je m'étais retrouvée avec une ligne en trop. Je devais avoir 41 lignes et je me suis retrouvée avec 42 lignes. Donc j'ai cherché l'erreur, et je l'ai trouvée. Donc là c'est bon, j'ai corrigé. Voilà. Mais je me demande si, après, si c'est. L'impression que le fil est sale, non? Non, c'est peut-être le reflet, je sais pas. Donc j'ai démonté ici. Alors j'ai pas tout démonté, j'ai pas démonté tout ça comme j'avais dit. J'ai démonté ici, voilà, parce que j'ai trouvé que l'erreur, en fin de compte, elle était ici quelque part. Donc j'ai démonté là. J'ai repris bon, la tête du chat, vous voyez. Bon, il reste encore quelques petits points à faire dans la tête du chat. Et j'ai fini de remplir le chat d'abord, j'ai fait son oreille. Et après, je suis partie ligne par ligne pour rattraper ce que j'avais fait ici et voir si je tombais, juste. Et ça va, il n'y a pas eu de problème, je tombe juste, heureusement. Je ne sais pas si c'est. Ça doit être moi. Hein. Non, il n'est pas sale. Non. Je ne sais pas si vous verriez bien là. Non, vous ne voyez rien du tout. Non, non, c'est pas sale. C'est parce que pareil, il y a des blends dedans, donc voilà. Donc il me reste des petits points droite à gauche à faire là, un petit un ou deux points là, 2-3 points dans la tête du chat, et j'ai l'oiseau à terminer ici. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Et alors, je me pose la question. Est-ce que je fais tout de suite le point arrière?
où est-ce que j'attends? Mais j'ai pas envie de le faire à la fin non plus. Parce que bon, je ne sais pas dans le dessin si vous allez voir, mais vous voyez, il y a du point arrière dans le dessin. Donc là, je vais avoir du point arrière ici, sur la tête de l'oiseau, sur son ventre, ses ailes. Lui, dans sa patoune, il y a du point arrière. Sur son museau, il y a du point arrière. Son oreille aussi. Donc, je ne sais pas si je fais mes points arrière tout de suite ou si j'attends un petit peu. Mais si j'attends et que je me retrouve avec trop de points arrière, ça va être compliqué également. Donc, je verrai. De toute façon, je vous dis, là, j'ai 4 jours pour terminer mon étape. Et après, en février, donc, j'ai ici, hop, là, cette partie-là à faire en février. Voilà. Où est-ce que j'ai mis ici? Alors, du coup, j'étais bien embêtée. Parce que moi, j'avais. Il est où? Je ne sais même pas où il est. La masse. Il est où mon gribouillage? Bah, il n'est pas là. Ah non, il est là. Il est là, voilà. Parce que du coup j'ai dû démonter, mais moi j'avais déjà gribouillé mon, c'est une photocopie là, j'avais déjà tout gribouillé. Alors du coup j'ai dû faire avec l'original pour pouvoir relire ce que j'avais fait. Vous voyez par exemple l'oiseau, vous voyez, on les voit les points arrière là en rose. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal de points arrière. Ah, c'est sur l'oiseau et le chat et la patoune. La patoune du chat. Je sais pas. Bon, je verrai. Je verrai comment je me goupille pour faire ça. Et donc ça va, je suis à jour. Et je vous dis, là, il me reste 4 jours pour terminer ma case. Mais ce sera bon, ce sera fait. Hop. Bon, celui-là, j'arrive pas à le fermer. C'est pas grave. Voilà. Est-ce que j'ai encore un... Oui, ça. Et là, non. Alors, j'ai pas repris mon dragon encore. Ça devrait pas tarder, je vais le reprendre. Je n'ai pas fait mon hérisson Saint-Valentin. Mais ça, c'est pareil, je vais le faire cette semaine et puis il sera terminé. Hein. C'est tout petit, hein, le hérisson Saint-Valentin. Je vous remontre ce que c'était. C'est ça, voilà. Et il n'y a pas grand chose à l'endroit. Vous voyez, voilà, il y a déjà ça de fait. Mais il n'y a pas grand chose. Ah si, j'ai fait le gris. Ouais, j'ai fait du gris. Vous ne l'aviez pas l'autre jour, le gris. Donc, ça va. Ce qui va être le plus long. Elle est où la grille? Oui. Ce qui va être le plus long, c'est ça. Et tous les poids-poils là. Ça, c'est tout du point arrière. À s'amuser. Je vais m'éclater. Mais bon, le point arrière, moi, ça me gêne pas. Hein. Quand je vois qu'il y en a trop, j'en fais une partie, je mets sur le côté, je refais après, voilà. Je vais le mettre là.
Donc les broderies point compté, c'est tout. Et j'ai bien sûr fait ma broderie du dimanche. Alors ma broderie du dimanche, c'est ma broderie estampée. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et alors, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Alors là, les nervures. Je ne sais plus si j'avais fait. Les nervures, je ne sais plus si je les avais déjà faites la fois dernière. Parce que là, il y a la nervure ici dans le rouge. Elle est faite. Dans le bleu. Je ne sais plus si je les avais fait. Et voilà, il y a une feuille, j'ai fait une feuille complète ici. Voilà. Celle-là est terminée. Donc, il avance bien, doucement mais sûrement. Et voilà ce que je vous disais. Alors, pourquoi ici j'ai un dos impeccable? Voilà. Enfin, bon, il y a des petits nœuds quand même de temps en temps, mais c'est pas grave. Vous voyez? Là, j'ai un dos impeccable. Alors, celle-là, par contre, c'est peut-être pour ça. Si, c'est pour ça, mais je ne brode, celle-là, je la brode pas de tambour, pas de cuisse-nappe, pas rien. Je la brode à la main, comme ça, et comme ça, par-dessus. Je ne la brode que sur le dessus. Donc, c'est pour ça, je pense que le dos est joli. Voilà. Donc, j'essaie. Alors, là où il y a du vert, c'est ce que je ne fais pas maintenant. Hein, ce sera fait en dernier, puisque c'est du blanc. Et le blanc, je ne veux pas que ça. Comme c'est salissant, je ne veux pas qu'il salisse. Donc, il sera fait en dernier, le blanc. Voilà. Mais sinon, bon, il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf dessus, mais celle-là, j'ai le temps. C'est la petite récréation, celle-là. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai tout montré en broderie? Broderie faite, oui. La semaine prochaine. Prochaine, donc on sera quand? Jeudi. Jeudi prochain, on commence un nouveau salle. Je vous en avais déjà parlé. Et donc, j'ai déjà tout préparé. C'est le Hall Forest Alice au Pays des Merveilles. Il y a deux versions. Une version multicolore et une version trois couleurs. Moi, j'ai choisi de faire la version trois couleurs parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis, je trouve cette version-là aussi jolie. Je vous remettrai les photos. Donc, c'est un modèle gratuit. Alors, je sais qu'il y a déjà d'autres groupes qui, enfin, un autre groupe qui fait cette broderie, mais qui l'a déjà commencé bien avant que moi je la mette en route. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les broderies sont là pour tout le monde. Donc, même s'il y a deux fois le même salle dans une année. Alors, ou sur un même modèle, voilà, c'est pas important, hein. Le plus important, c'est de broder ensemble et de prendre du plaisir pour broder. Ma toile est prête, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais de temps en temps, ouais. Alors, c'est du vert olive. J'ai choisi cette couleur-là, voilà. Je voulais pas faire... excusez-moi, je ne voulais pas faire blanc ou beige parce que j'ai de l'écru à broder.
Je ne voulais pas faire du foncé parce que j'ai une couleur. Alors, est-ce que je les ai mis là? Parce qu'il y a une couleur foncée également à broder. Hop, je vous montre les trois couleurs. Alors, il y en a une que j'ai pas encore mis en bobine parce que je l'ai été la chercher dans ma réserve tout à l'heure. Alors, les crus. Voilà, donc ça, vous comprenez qu'on ne peut pas broder ça sur du blanc. Hein. J'ai du 221, c'est un bordeaux. Voilà, donc ça va encore, hein, ça ressort à peu près sur toutes les couleurs. Et j'ai celle-ci. Voilà, alors c'est un vert foncé. C'est le 30-21, donc c'est un vert très foncé. Donc voilà pourquoi je ne peux pas non plus broder sur une toile foncée. Et comme ça, c'est du vert, je me suis dit, ben, la couleur olive ira très bien avec, voyez. Le bordeaux ira très bien avec. Et les crus, ben, il n'y a pas de problème. On le verra bien également. Donc c'était la bonne couleur à choisir pour cette toile. Je l'ai. Alors j'ai pris le temps. Alors c'est pas que j'aime pas, hein, c'est parce que ça, j'en raffole pas. Bon, j'ai pas fini de. Il y a quand des petits fils qui dépassent. J'ai pas encore coupé. Je les couperai. Mais j'ai surfilé ma toile. Alors moi j'ai pas de surfileuse, hein. Je surfile avec ma machine à coudre. Je voulais mettre du scotch et puis après j'ai dit bon, elle va quand même durer longtemps normalement cette broderie. Donc enfin c'est pas du scotch, hein, c'est le scotch de peintre. Excusez-moi. Que je mets des fois tout autour. Voilà. Et du coup là je l'ai, j'ai dit non, mais je vais la passer à la machine. De toute façon j'ai fait que trois bordures puisque là j'ai une lisière, donc là de ce côté-là je suis tranquille, j'ai pas besoin de le faire. Donc elle est prête pour jeudi pour y poser mes premières croix. Alors j'ai eu un souci, enfin c'est pas un souci, c'est que je n'ai pas réussi à mettre cette grille sur mon pattern keeper. Alors je lance un appel. Si certaines d'entre vous le font en ce moment ou l'ont fait et qu'elles ont réussi à mettre la grille dans Pattern Keeper, venez à mon secours. Sinon, je ferai sur papier, hein, tant pis, mais venez à mon secours, soit sur mon Facebook ou soit par email, pour me dire comment vous avez fait ou si vous avez fait un nouveau fichier pour pouvoir le mettre sur Pattern Keeper. Et dans ce cas-là, si vous pouvez me passer le fichier. Parce que là, j'ai essayé, pas eu moyen. Voilà. Donc, c'est prêt pour la prochaine broderie. Niveau broderie, bah, écoutez, moi, je vous ai tout montré. Je me fais une petite pause de 5 minutes, juste pour aller boire un petit verre de thé pêche et puis faire une petite pause là-bas, hein. mais pour vous, je suis là tout de suite. Coucou, vous avez vu, j'ai été vite, hein. Alors, maintenant, tricot. Alors, niveau de tricot, bah déjà, ma couverture de l'année dernière, la 2023, j'ai rien fait dessus cette semaine. Je vais me rattraper pendant que je ferai le montage de la vidéo. Voilà. ma couverture de cette année, 2024. La voici. Alors, attendez, voilà, comme ça vous voyez mieux. On va plier en deux, hein. C'est mieux quand je plie en deux. Voilà.
Ah ben décidément, j'arrive pas à la mettre droite. Voilà. Donc cette semaine, c'était de la maille serrée. Là, j'ai commencé en bride, maille serrée la deuxième semaine, bride la troisième semaine, et cette semaine, c'était de la maille serrée. Donc, comme je vous avais expliqué, je vais faire comme ça une semaine sur deux. Ce qui fait que la semaine en bride va me faire 7 cm environ. Et la semaine en maille serrée me fait environ 4 cm. Voilà. Vous montre de plus près. Et alors là, ces derniers jours, alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai changé de couleur tous les jours, enfin tous les deux c'est deux bleus différents, je vais y arriver, mais à chaque fois, la température, elle a bougé que. Donc, bleu foncé, bleu clair, bleu foncé, bleu clair, bleu foncé. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, hein. C'est ça, hein, la couverture météo. Là, c'était, on voit qu'il y a eu de la neige. C'était un peu plus froid. Là, ça se réchauffe un peu, là, en ce moment. On verra. J'ai pu voir que je sais plus c'est où exactement. Dans le bas de la France. Je sais plus. Bon, soit. 23 degrés. Chercher l'erreur. J'ai même vu des gens dans le nord, à la télé, aux infos, se baigner. Oui, bien sûr. Ça, on la ressortira demain, enfin tout à l'heure. Parce que là, je suis à jour, hein, j'ai fait tous mes rangs, il n'y a pas de problème. Alors, sinon, niveau tricot, je crois que j'ai fait un petit peu à chaque tricot. J'ai un truc qui me gêne. Voilà. J'ai fait un peu à chaque tricot, je crois, cette semaine. Alors, mon pull fil d'art. Alors, lui, il avance bien. Si vous voyez bien, alors je vais vous montrer la hauteur où j'en suis. Attendez, alors là c'est la manchure, donc elle va venir à peu près ici, hein, je pense. Niveau largeur, ça va. Hein. Bon, là, bien sûr, c'est le dos. Hein. Je le mets sur le devant, mais c'est le dos. C'est plus pratique pour moi à vous montrer. Ouais, je suis déjà presque aux épaules, hein, regardez. Et niveau largeur, c'est. Non, il est bien. En longueur, ça va être bien aussi. Non. Ouais, c'est top. Hop, je vous balade, attention. Je vous donne pas le mal de mer. Donc ça va. Alors attendez, j'ai mis ce qui restait de la pelote. Voilà. Donc là, bon, c'est une mer, un océan de Jersey. Hein. Mais il se brode très, il se brode, il se tricote très très bien. Enfin, ça va tout seul. Voilà, mon aiguille.
Ah oui, mais je ne vous ai pas montré du coup. Voilà où j'étais la dernière fois. Ici. Donc, vous voyez, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai bien bossé dessus. J'ai hâte que le dos se termine pour moi attaquer le devant. Quand le devant sera terminé, j'aurai plus qu'à faire les deux manches en même temps. Ça ira tout seul. C'est souvent quand il y a quand les deux manches, je les fais toujours ensemble. Comme ça, moi, les diminutions, augmentations, soit elles sont faites toutes au même endroit. Et quand je fais un gilet, c'est pareil. Les deux devant. Je les tricote en même temps. Comme ça, je suis sûre que mes diminutions, mes augmentations, elles sont bien à la même hauteur de chaque côté. Ensuite, alors, mon pull camionneur. Alors, j'ai avancé dessus, mais je crois que j'ai pas avancé énormément. Non, j'ai pas fait beaucoup. Mais bon. C'est quand même du boulot. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait énorme. Mais voilà. Alors. Donc, on en voit toujours le dessin. Hein. Enfin, le dessin, ce sont des côtes hein, au milieu. Voilà. Et donc, c'est un jersey en vert. Voilà. Bon, là, j'ai pas plus à vous dire puisque je n'ai pas beaucoup avancé. Donc, ça, c'est le devant. Hein. Donc là, le dos, ben, bien sûr, est déjà terminé. Mais j'aime bien. J'aime bien la couleur. Donc là, c'est pareil, j'ai bientôt changé de pelote. Donc, il m'en reste une là et trois en haut. Il me reste quatre pelotes. Donc, j'espère que c'est bon. Moi, j'ai pris ce qu'il préconisait sur le modèle. Donc, je verrai. Et ensuite... Attends, je me suis coincée les pelotes. Voilà, je vais la mettre là. Alors, est-ce que j'ai avancé? Oui, pas beaucoup non plus. Mais j'ai surtout avancé sur le pull filetard. Le pull de chouchou. Donc, le devant avance doucement, mais sûrement. Heureusement que c'est un pull de demi-saison. Donc, voilà, j'ai fait ça. Bon, j'ai quand même avancé, hein. Voilà. Donc, lui, c'est pareil, hein. C'est une mare, un océan de jersey. Il n'y a rien d'autre, à part les côtes, là. Il y aura les côtes, ici, sur le col en pointe et sur les emmanchures. Voilà. Non, mais il aime bien. Qu'il va bien plaire à Chouchou. Hein. De toute façon, il aime les choses simples. Alors là, on peut pas plus simple. Hein. Donc ça, c'est un modèle bergère de France. Le camionneur, c'est également un pull bergère de France. D'ailleurs, voilà, c'est ça la laine hein, pour le camionneur. Le cocooning, je vous le montre à chaque fois. Hein. Et celui-là, c'est... Alors, est-ce que j'ai une pelote là? Oui. C'est la Calinou, voilà, de Bergère de France. Alors, je sais combien il m'en restait en haut. Trois, je crois. Oui, il devait en rester trois. Plus celle-là, donc quatre. Je suis large. Là, je crois que je suis large pour faire ce pull. Je crois qu'il est... Ça m'étonnerait pas qu'il m'en reste parce que là,
J'ai ça encore. Donc ça, ça va encore bien monter. Moi, je pense que ça, plus une. Je sais plus combien j'ai utilisé pour le dos. Attendez, ben ah ben si, c'est pas compliqué. J'en avais 6. Ouais, je crois que j'avais 6 pelotes. 3 en haut. Une. Ça fait 4. Non. Attendez, je sais plus. Est-ce que j'ai mis le... Ah, où j'ai mis les explications? J'ai perdu les explications. Ah, là là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas là que tu dois être. Alors, si c'est ça, 6. Donc. Ah non, c'était combien il en restait en haut? Une, oh, je sais plus. Ouais, donc s'il en reste une en haut, une en bas, la moitié d'une. Ouais, non, mais c'est bon, je suis large normalement. Ça va. Et ça, c'est le pull que je vous parlais quand j'ai rangé mes pelotes. Le pull marinière boutonné sur l'épaule ici. Voilà. Donc là, il est rouge et blanc, mais moi, je vais le faire. Bleu et blanc cassé. Voilà. Donc pareil, il est super simple à faire. Sauf que là, bon, il va falloir changer les couleurs à chaque rang, mais c'est pas grave. Il y a deux rangs. Alors, eux, c'est deux rangs de rouge et 6 rangs de medge. Ah ben, le medge, moi, c'est celui que j'ai. Le blanc cassé, et moi au lieu de prendre rouge j'ai pris bleu. Voilà. Bon, ça je vais le remettre dans le sac, sinon je vais chercher après. Hop, voilà. Bah écoutez, niveau tricot c'est tout. Ouais, des fois je réfléchis, mais bon là je réfléchis bien parce que à chaque fois je dis oh, j'aimerais bien me faire un châle. Mais bon, j'ai trop d'encours pour l'instant. Quand j'aurai terminé un pull, peut-être, mais bon, on verra. Et puis bon, quand j'aurai terminé le pull, ce sera plus la saison des châles non plus. Donc, je sais pas, je verrai. On est à combien? 1 minute 27. On est toujours dans les temps, hein. Donc, voilà. Alors, récapitulons, j'ai fait ma broderie jus de carotte, j'ai fait ma broderie mystère de Sabine, mon Bouddha, mes hérons bleus, la broderie estampée du dimanche, ma broderie maison météo, ma broderie All Forest, celle de la salle de Julia, ma broderie du nouvel an, ma broderie grenouille. Voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Hein. Et en tricot, ben, vous venez de voir, donc j'ai fait le pull de chouchou, mon tricot fil d'art, mon pull fil d'art, pardon, et mon pull camionneur. Et niveau couverture, j'ai fait celle de cette année. Voilà, j'ai fait les rangs de cette semaine pour celle de cette année. La semaine prochaine, on va essayer de bien avancer encore, en sachant que... Alors, attendez, je vérifie avec les dates. Non, ce ne sera pas la semaine prochaine. Ce sera la semaine d'après. Ouais, ce ne sera pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Il va y avoir des travaux à la maison, je vous ai expliqué. Mais bon, c'est des choses qui normalement devraient aller vite, mais qui vont quand même salir un peu. Donc, il va falloir que je nettoie avec chouchou.
Et qu'on remet d'aplomb aussi ben, la salle de bain, parce que bon, ben, il aura fallu tout retirer. Donc c'est le 5, le 6, le 7. Voilà. Donc cette semaine, je suis tranquille. Encore. Et normalement, cette semaine, j'ai rien à faire. Je ne pense pas. Rien de spécial en tout cas. Mon agenda, il est où? Il est là. Non. Non, mais j'ai rien. Je suis tranquille. Et je suis juste tombée. Ah oui, mince, il faut que je téléphone à eux. J'ai le technicien pour l'apnée du sommeil qui vient pour ma machine. Je me fais engueuler. Parce que ça fait. Alors, je vous explique pourquoi. Ça fait plusieurs semaines et même peut-être 2-3 mois que je ne mets plus mon masque. Parce que ben, déjà, le technicien qui vient pour la machine, il vient une fois par an. Voilà. Tout va bien? Ça a été? Vous refaut un masque? Il vous faut des filtres? Et... Voilà, hop, sa visite est faite. Mais j'ai normalement, alors je dis bien normalement, un pneumologue qui fait partie du centre, de la clinique du centre hospitalier. Ça fait 2 ans, ouais, 2 ans, un bon 2 ans que je ne l'ai pas vu. Qui m'a pas envoyé de rendez-vous. J'ai encore téléphoné là il y a quoi, il y a 4 mois, ouais, il y a peut-être 4 mois, en disant à la secrétaire que je trouvais pas ça normal, que j'étais pas suivie par le médecin, que bah, qui m'envoie un rendez-vous, sinon je change de médecin. Hein. Oui, ben je vais lui dire, je mets votre dossier sur son bureau. Vous avez des nouvelles, vous? Moi, non. Donc, je ne suis pas motivée à mettre ma machine. Comme tout le monde s'en fout, ben, je m'en fous. Voilà. Du coup, je vous dis, ça fait bien 3-4 mois que je n'ai pas mis ma machine pour l'apnée du sommeil. Et là, ouais, je vois qu'il vient le 6, mais comme il y aura les travaux, je vais changer le rendez-vous. Je vais lui demander de venir un peu plus tard. Mais bon, il va me dire, bah, vous n'avez pas mis votre machine? Bah, pourquoi faire? Personne ne s'occupe de moi. Donc, mais là, du coup, je vais changer de médecin. Mon neurologue est OK pour me suivre. Pour l'apnée du sommeil. Mon médecin traitant ne veut pas. Il me dit que c'est pas un pneumologue. Mais voilà, le pneumologue me donne pas de nouvelles. Donc, mais bon, allez, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ouais, cette semaine, ça ira, je serai tranquille. Donc. Cette semaine, ah oui, si, c'est ça que je voulais vous parler. J'ai voulu commencer, alors j'ai d'abord lu le mode d'emploi, j'ai pas été plus loin. J'ai voulu commencer le petit lapinou, là, la ballerine au crochet. Je comprends rien du tout. Franchement, je ne comprends rien. Bon, attends, je sais faire du crochet, hein. Je comprends rien aux explications. Que dalle. Donc, je sais pas. Du coup, j'ai tout remis dans la boîte, j'ai remis sur le côté, j'ai on verra ça plus tard. Du coup, ça, je l'ai pas fait. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Plein de choses. Plein de choses. Bah, le DP,
Donc, n'oubliez pas de choisir deux numéros, hein, ou trois, si vous voulez, pour que je puisse faire mon DP cette semaine. Si je peux, ben, enfin, je dis bien, si je peux, je ferai un DIY. On verra si vous êtes sage. Alors, je vais faire mon Bouddha. Alors, comme je vous dis, je vais toujours essayer de faire 250 croix sur chaque broderie. Voilà. Donc, mon Bouddha, mon héron, ma maison météo, hein, ça c'est comme d'habitude. On sera en février. Ouais, on commencera à partir de jeudi, le mois de février. Donc, à partir du 1er, je ferai. Alors là, je vais terminer ma case du Nouvel An que je vous ai montrée tout à l'heure. Et à partir de jeudi, je ferai la case du mois de février. Enfin, je la commencerai. Ensuite, le sale mystère. Donc, je vais attaquer l'étape 4. Voilà. Du sale mystère de Sabine. Mon jus de carotte, bien sûr. J'ai continué mon feuillage. Le All Forest de Julia. Donc, je suis à jour sur mes 1000 points. Donc, cette semaine, je ne ferai peut-être pas. Je ferai peut-être pas. Je le ferai à partir de la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, même si je fais 300, 300, 350 points, sur 3 semaines, j'aurais fait mes 1000 points quand même. Ma grenouille. Voilà. Alors, je vais essayer de faire et terminer mon hérisson de Saint-Valentin. Le dragon, il est là, le dragon. On le met en secours. Il faut que je le fasse. Et je commencerai à poser également mes premières croix. Donc, ça, ce sera à partir de jeudi aussi, ou alors la semaine d'après, je verrai. Je commencerai à poser mes premières croix de mon sale Alice au pays des merveilles, donc le modèle of Forest. Je crois qu'en broderie, ce sera tout. On sait jamais, hein, mais non, je crois que ça ira. Et en tricot, bah écoutez, alors le fil d'art, j'aimerais bien terminer le dos. Voilà, il n'y a plus grand-chose, vous avez vu, pour faire le dos. Donc, j'aurais bien terminé mon dos. Le pull camionneur, bah écoutez, on va dire 10 cm, hein. Et le pull à chouchou, voilà, chercher. Pareil, faire 10 cm au moins. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Non, attendez un petit peu. Maman l'a presque fini. Mes couvertures météo, ben, la couverture météo de cette année, je ferai mon rang tous les jours, comme je fais d'habitude. Et j'essaierai de faire une semaine. Donc là, j'ai arrivé en novembre. Donc, de faire une semaine pour la couverture de l'année dernière, de 2023. Voilà. Ah, mais quand j'aurai fait tout ça, ben, il sera déjà bien. Hein. Plus mes 2 cases, bien sûr, de mon DP. Hein. Voilà. Oui, maman va. Ah, et mon estampé, j'allais l'oublier. Mais ça, c'est le dimanche soir. C'est ma petite récréation. Donc là, avancer mon estampé. Voilà. Si je fais la moitié d'une feuille, une entière, on verra bien. Là, il n'y a pas de limite sur celle-là. Voilà. Et j'essaierai de relire le mode d'emploi de la ballerine lapin,
si j'arrive à décrypter le mode d'emploi. Sinon, bah, je verrai bien. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a bien papoté. Enfin, surtout moi, il y a 1h40. Là. Oui, j'arrive. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez, si vous avez des questions, n'importe. Si vous aviez les ouvrages que je fais, que vous faites, dites-moi tout. J'arrive. Oh, j'arrive. Et des poupousses, plein de petites poupousses, plein de vues. Et si vous venez voir la vidéo, regardez-la jusqu'au bout, même en deux fois. Et laissez-moi un commentaire après. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Parce qu'il y en a deux là qui ont une urgence pays-pays. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.